محمد علي كمون أستاذ بالمعهد العالي للموسيقى ومؤلف موسيقي الذي يلقي مداخلته بالفرنسية وعنوانها Quels sont les effets de mutation esthétique du Malouf? Comment les apports exogènes peuvent-ils constituer une source au développement de cet héritage? À lui la parole. Merci, Monsieur le Président. Voilà, donc je vais parler de la standardisation du Malouf, ses effets de mutation esthétique durant notamment le XXe siècle et en l'occurrence après la naissance de l'Institut Rachidia de la musique tunisienne. Donc, bien entendu, le Malouf en tant qu'héritage musical maghrébo-andalou, je ne vais pas entrer dans les problématiques historiques liées au rattachement andalou du Malouf, qui est très complexe, mais je vais parler particulièrement du Malouf tel qu'il nous a été transmis par ce que je pourrais appeler aujourd'hui comme étant l'école de Tunis. Nous parlons rarement de l'école de Tunis dans la musicologie ou dans le domaine musical, mais dans la peinture, dans les beaux-arts, ce concept, il est très courant et très utilisé. Donc c'est un modèle académique officiel de la musique tunisienne qui s'est propagé et, ou qui a eu un certain pouvoir sur le domaine musical tunisien et sur la musique tunisienne et sur son développement depuis 1932 et depuis 1934, spécifiquement après la naissance de la Rachidia. Après les années 50, particulièrement, les industries musicales arabo-orientales d'Égypte, notamment, et d'origine occidentale, ont aussi exercé une grande influence sur le Malouf, sur la musique tunisienne, ce qui rend légitime aujourd'hui tout questionnement sur l'authenticité du Malouf, et notamment aussi sur la globalisation de cet art ancestral. Donc, quels sont les effets de standardisation du Malouf? En quoi est-il... quels sont ses effets de mutation qu'on pourrait appeler aussi... que je considérerais aussi comme étant un danger pour la tradition. Et donc, pour répondre à cette question, j'ai essayé de travailler notamment à travers un certain corpus analytique où je me suis focalisé sur des musiques, notamment de l'école constantinoise en Algérie, et des exemples de l'école de Tunis, de ce qui a été présenté par la Rachidia. Bien entendu, la séparation entre Constantine et Tunis, elle est relativement récente dans l'histoire, puisqu'on parle d'un seul berceau, de l'héritage d'un seul berceau de Malouf qui s'étend de Constantine à Tripoli. Et donc, premier effet avant d'aborder le premier effet de mutation dont je voudrais vous parler, je vais vous exposer un extrait de la Rachidia dirigé par Abdelhamid Belhadji dans les années 70. À la même époque, je vais vous faire écouter la même pièce en version constantinoise par l'orchestre de Mohammad Tar Fergeni. Voilà, donc pour moi, les deux exemples sont tout à fait comparables. On parle de la même époque. Et la première chose qui nous interpelle en écoutant ces deux exemples, c'est que d'abord, il y a un effet d'orchestration dans les deux exemples.
Donc on a un effet d'orchestration qui, pour moi, prend ses premières, ses, son, 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 un lien direct avec l'orchestre de Oum Kulthoum et les orchestres égyptiens. Et donc il y a cet effet d'orchestration. Et puis, si on entre un peu plus dans les détails, on voit que il y a pas mal de différences esthétiques et artistiques assez subtiles. Et donc, c'est là où je vais essayer d'intervenir. Donc, d'abord, on remarque qu'il y a une substitution d'instruments traditionnels dans l'orchestre tunisien. Le naï prend la place du fhal, qui est un instrument très particulier, et le naï, c'est un instrument très lyrique. Il est plus répandu dans les troupes ou dans les ensembles spirituels soufis. Et pour moi, sa présence dans le Maalouf appuie un certain lyrisme dont je vais m'étendre plus tard. Et donc, pareil, les nagarat, qui sont un instrument typique des percussions de Maalouf, elles cèdent progressivement la place à la darbouka, à des tares de fabrication orientale. Même si elle existe toujours, le qanoun, qui est un instrument parfaitement oriental, égyptien, enfin arabo-turc, oriental, avec un accordage en 24 de quarts de ton. Et donc lui aussi, il prend la place enfin, il joue dans le même registre du oud, notamment arabo-andalou, et il tue les fréquences qu'on pourrait justement. Écouter, et c'est un instrument aussi qui est accordé comme c'est un instrument pour moi, c'est un instrument tempéré, et donc ce sont les degrés qu'il joue sont des degrés plutôt orientalisés et qui sont pas faits pour la tradition du Maalouf, c'est des degrés complètement faux. Et je vais essayer de m'étendre sur cette question aussi. Et donc, une perte d'instrument signifie ipso facto une perte de technique et de style. Et donc, sur le plan de technique instrumentale, aussi le violon, qui est joué couramment aujourd'hui en position occidentale, depuis l'époque de Mohamed Atriki, où il a dirigé la Rachidia, donc il a changé de position. Il était en position de rebeb. Et aujourd'hui, la position de rebeb permet de jouer des petits archets, donc d'appuyer une certaine fraîcheur et de staccato qu'on retrouve dans le oud notamment, et contrairement au violon classique, avec cette technique-là, on appuie plus de le lyrisme et les notes longues. Et donc, tout ça, on parle donc d'une métamorphose dans l'instrumentation qui est très importante, donc avec une présence d'instruments orientaux et beaucoup d'instruments à cordes, et puis une présence massive d'instruments, une perte d'instruments, etc. Voilà, et une adoption de nouveaux instruments. Dans ce graphique, j'ai essayé de donc ce qu'on a écouté tout à l'heure dans j'ai essayé de mesurer la progression de l'énergie dans cet exemple à travers une lecture spectrale. Donc, ce qu'on voit ici dans le registre fréquentiel en bas, c'est une condensation de spectrale au niveau des registres des basses. Donc c'est une sorte de l'unisson orchestral, il crée énormément il crée une densité mélodique au niveau des violoncelles à l'unisson, pardon, et les basses, des contrebasses, et les oud, et les barytons qui chantent tous ils sont condensés dans le registre des basses. Et en même temps, on a les violons qui jouent la même chose en haut, le même. Et puis le naï se dégage au niveau des fréquences 800 Hz avec un léger décalage. Donc cette densité au niveau des médiums, cet unisson orchestral, il crée énormément de lourdeur à l'écoute. Et donc l'unisson dans la musique occidentale, il est très étudié. Et souvent, dans le cadre des musiques traditionnelles, il tue les théophonies. Donc les théophonies, c'est cet aspect du tartre, cette ambiance où tout le monde joue spontanément. Et chacun, il amène de son côté, de son âme, petit à petit, parfaitement. C'est ce qui rend cette musique, une musique improvisée et vivante en tout cas. Alors, en contre-exemple, chez Fergani, donc là c'est un autre morceau, Alif ya Sultan, un autre morceau du Maalouf, dans un autre mode. Donc j'ai fait un essai de transcription.
du Fergueni en 1959, où il joue en tarte, donc en petite formule orchestrale. Et j'ai imaginé que cette musique soit écrite. Et donc j'étais vraiment frappé par l'intelligence de cette musique traditionnelle. Là, on voit par exemple dans le chant solo en ténor, j'ai transcrit en clé d'ute 3 comme un ténor, et il s'accompagne de oud dans un autre registre. Et à la réponse instrumentale, on voit énormément de changements mélodiques, notamment ici l'entrée de la flûte traditionnelle qui joue des choses différentes par rapport au violon. Donc c'est ça l'hétérophonie, c'est que chacun il emmène de son côté. Aussi, Fergueni, il s'accompagne souvent de violon alto. C'est la même tessiture, parce que le ténor, il est plus à l'aise dans l'alto. C'est des choses techniques pour nos amis non-musiciens, mais en tout cas pour dire qu'on a, dévié progressivement en Tunisie de l'authenticité de cette tradition et de son âme. Et qu'à Constantine, là où le Maalouf n'a pas été transcrit, là où le Maalouf a été transmis de façon purement spontanée et traditionnelle, on a gardé quand même une certaine âme de cette tradition. Et même lorsqu'ils ont adopté les orchestrations à Constantine, tel fut le cas avec Mohamed Al-Fergueni, autant qu'il y a eu un rajout de cordes, il y a eu un rajout de cordes pincées. Donc plus on mettait des violons ou des altos, plus on mettait des ouds, des cordes pincées, même des banjos, des cuitras, des choses comme ça, des instruments qui essaient de garder une certaine fraîcheur au niveau du jeu hétérophonique et au niveau du jeu staccato. Voilà, donc plus en microscopie, si on s'approche des intervalles du Maalouf tels qu'ils sont joués dans l'exemple de la Rachidia, on remarque que le phrasé du Maalouf, tel qu'on le joue souvent en Tunisie, il se base souvent sur des mouvements conjoints. Quand on chante El Khilat Ajemi, donc ce sont des intervalles conjoints qu'on trouve parfaitement dans la musique égyptienne. Et ce genre d'interprétation, il est typique des musiques égyptiennes où souvent les intervalles sont proches, contrairement à l'école de Constantine. Donc on trouve beaucoup de tierces, beaucoup de quartes, et c'est ce genre d'ornement qu'on trouve dans la Zokra Issaoui. Et on a totalement occulté, on occulte totalement, et bien sûr on transmet ça dans les conservatoires depuis 100 ans presque. Voilà, donc ça c'est un autre exemple, c'est un piano roll où on voit ici à gauche l'exemple tunisien, à droite l'exemple constantinois, dans un autre exemple musical. Et donc on voit que le même graphique il se répand, il se multiplie à gauche, le même graphique se multiplie, la même forme, le même profil mélodique dans l'exemple tunisien joué à l'unisson. Et en contrepartie, le même exemple, on voit que l'ambitus il s'étend à une dixième ici au niveau du ténor, donc, parce que le ténor il prend beaucoup de liberté dans le jeu. Aussi, au niveau je ne peux pas entrer beaucoup dans les choses techniques, mais au niveau du système ornemental, au niveau des arabesques aussi, cette question m'a beaucoup interpellé. Quand on écoute Ali Ben Arfa au début du XXe siècle chanter, on se croit écouter un chanteur aujourd'hui qui vient de Constantine. Il chante des ornements qu'on ne retrouve plus aujourd'hui, des ornements qui se rapprochent beaucoup du flamenco, le flamenco qui est d'origine de Séville aussi. Rappelons que le Maalouf, il serait aussi d'origine de Séville. Et on trouve des groupettos de flamenco. J'ai beaucoup d'exemples à faire écouter, mais j'ai relevé énormément d'exemples. Et ces groupettos, aujourd'hui, si on les fait écouter à des étudiants de l'Institut supérieur de musique, ils vont dire tout de suite c'est algérien. Alors qu'on voit les mêmes groupettos, ils sont tangibles et ils sont très énormément répandus dans les répertoires tunisiens du début du XXe siècle. Aussi, j'ai fait quelques analyses fréquentielles. Alors, je me suis un peu penché sur certains degrés spécifiques du mode Hassin.
Donc le mot d'Hassine, qui s'apparente du mot de Bayet dans l'Orient, et souvent Salah al-Mahdi, lorsqu'il enseignait ce mot, il l'enseignait à la méthode du Bayet avec des hokoud, avec des tétracordes, etc. Et pour moi, ce rapport, il est très dangereux avec la musique orientale. Il est très dangereux parce que ce mot, il a son propre caractère, il a ses propres degrés caractéristiques. Et donc aujourd'hui, je remarque souvent, je remarque ça chez mes étudiants, j'essaie de partager ça avec mes étudiants, ils chantent le degré Bayeti lorsqu'ils chantent l'Hassine. Donc théoriquement, ce sont des échelles qui s'apparentent, mais par contre, le deuxième degré du mot d'Hassine, il est beaucoup plus élevé. Lorsqu'on a fait une expérimentation, là j'ai fait quelques mesures grâce au logiciel Music 22 développé par Anas Gharab. Et donc, on a fait chez Fergeni, on a remarqué que le degré il est haussé. Chez Ziyed Gharsa, lorsqu'il joue Ziyed Gharsa, un maître connu du melouf tunisien, lorsqu'il joue en tarte, et ce degré il est haussé. Et lorsqu'il joue en orchestre, ce degré il est baissé avec l'orchestre. Et donc, voilà. Donc, j'ai fait un essai d'expérimentation de ce degré. J'ai essayé de le chercher à l'oreille. En studio, et on a fait beaucoup d'expériences, et on a ramené un canon turc qui est doté d'un système avec beaucoup de subdivisions entre les degrés. Et donc on trouve entre le premier degré du mode Hassine et le deuxième mode du degré Hassine, on trouve 7 subdivisions. Le premier, donc si on passe de Ré, par exemple, au degré suivant, on passe du Ré au Kurdi, puis le Bayeti, puis le Rast, puis le Sika, puis le Mahour, et ensuite on atteint le nouveau degré. Donc, lorsque j'ai fait les tests, le degré Hassine tunisien, il correspond plus au degré Sika. Ça veut dire qu'il est plus haussé que le Rast, il est plus haussé que le Bayeti. Et donc, on voit qu'on est dévié vers des modes très, très dangereux. Et aussi, l'école de Tunis, elle a exercé une influence énorme sur les Maïloufs, notamment dans son enseignement, sa propagation et son développement, aussi dans les régions. Or, dans les régions, notamment dans les régions d'influence andalouse, comme Tastour, par exemple, ou comme Zarouen, ou comme Bizerte, Gharmelh, etc., comme Constantine, d'ailleurs, chaque région, elle a son propre caractère, elle a parfois même son propre répertoire ou certains rythmes spécifiques. Par exemple, à Tastour, j'ai eu l'honneur et le privilège de rencontrer plein de musiciens dans une collecte de terrain qui a duré 2 ans. Et puis, donc, lorsque j'étais avec les chirs de Melouf de Tastour, qui jouent le Melouf avec du tbal en pleine rue, et donc, j'étais frappé par une complexité rythmique et une sensation du rythme qui s'apparente du Maroc plus que la Tunisie. Et lorsque j'ai rencontré les chirs d'Azouzi et de Melouf, ils m'ont dit qu'on ne peut jamais tourner la même pièce avec les chirs Melouf de Tastour. Ce sont deux approches totalement différentes du rythme et du temps fort de la musique. Le Maïlouf, pour moi, c'est une musique vivante. On danse sur le Maïlouf à Constantine. Là, c'est une vidéo on n'a pas le temps, mais vous pouvez trouver cette vidéo. Vous pouvez mettre danse constantinoise sur YouTube et vous allez être vraiment dans l'ambiance Maïlouf du passion andalou avec une musique vivante qui n'est pas... Le Maïlouf aujourd'hui, le public, il assiste à des spectacles de Maïlouf avec des invitations et il est en position de concert. Et le Maïlouf, c'est une musique qui s'apprécie, c'est une musique de spectacle. Voilà, merci. Merci. Shukran, Oustad Mohamed Ali Kamoun, ala hada al-bahth al-shayq. في التحولات التي طرأت في مستوى الغناء وفي مستوى التخت على الملوف التونسي أشكره وأدعو الآن إلى المنصة الأستاذة سلوى بن حفيظ لتقديم مداخلتها شكرا
شكر سلوى بن حفير سوف تقدم لنا مداخلة عنوانها التأثيرات الحضارية الموريسكية في التراث التونسي الموريسكيون ومباهج الحياة وطقوسية الاحتفال. شكل سقوط غرناطة سنة 1492 حدث مدوياً حفر شرخاً في تاريخ الحضارة العربية الإسلامية إلا أنه كان منطلقاً لتمازج حضاري متميز خاصة في تونس التي كانت القبلة الأساسية لعدد وافر من الأندلسيين اللاجئين الذين طردهم فيليب الثالث 1609 وأحسن العثمانيون وفادتهم فترة عثمان داي 1593-1610 ويوسف داي 1637-1610 الذين أذنوا لهم أن يعمروا النشاء وأعفوهم من عدة ضرائب فتدفقت أعدادهم على ثلاث مراحل قدرها المؤرخون بين 80,000 و100,000 مهاجر من مجموعة 300,000 هنا نرجع لابن السراج وابن أبي دياف ولويس تابتا فأسسوا مدناً ظلت شامخة إلى يومنا هذا تستور، سليمان، نيانو، الوطن القبلي واختلطوا بعد تقوقعهم بالنسيج الاجتماعي للمجتمع المحلي عبر المصاهرة والتزاوج نرجع الأنوميستيك الألقاب وسنكتشف العديد من الموريسكيين وتبادل الخبرات بشكل بناء اعتبره العديد من الباحثين منعرجا حضاريا واقتصاديا مكن تونس من الخروج من الأزمة التي عاشتها طيلة القرن السادس عشر وبداية القرن السابع عشر فلئن أحدث الموريسكيون نهضة اقتصادية مميزة بتطويرهم لميادين حياتية كالفلاحة والتجارة والصناعة الغراسات والري والمعمار وصناعة الشاشية وتسويقها فقد أثروا بالمثل في التراث المحلي المادي والرمزي وأحدث مثل هذا التثاقف إقلاعا حضاريا أساسه تلاقحا عميقا بين العنصرين الموريسكي من جهة والمحلي المتكون بطبعه من عناصر حضارية مختلفة من جهة أخرى وقد نوه العديد من البحاثة بهذا الإثراء كما مثل دي إبلزا ومذكرات القس كسيمينيس فرانسيسكو كسيمينيس وحسن حسني عبد الوهاب ومحمد سليمان زبيس وغيرهم من البحاثة الذين أثروا الدراسات الموريسكية ونضيف القائمة ذي القفسي اللي قام محمد القفسي اللي قام بالعديد من المجهودات في هذا المضمون رغم مسحة الحزن التي تسللت إلى الأدب الأندلسي المعطر حزناً على فقد الديار يظل المزاج الأندلسي بفترته مجبولاً على حب الطبيعة وبهجة العيش وحب الحياة التي تفنن في صياغتها المهاجرون الأندلسيون ويكفي أن نتأمل كتابات الرحالة توماس شو لويس فونتان بيسونار وغيرهم لنتأكد أن الموريسكيين برعوا في فن الحياة ومستنداتنا في هذا المقري ولسان الدين الخطيب وأرثنا وأورثونا تقاليد تكرس مباهج العيش واحتفالية الحواس نلمسها في الموسيقى في الموشحات والأزجال والأدب المعطر واللهجة المتقاربة حسب ما ضمنه كورينتي وفي الرقص والغناء الموقع الفلامينكو وفي اللباس الجبة الشاشية القمجة الفوطة البلوزة وفي أنواع الأكلات والحلويات البناضج تحمل نفس الاسم الإسباني الكوريانتا والكبكاب وغيرها من المأكولات التي ورد تسميتها في الحصة السابقة أسفنج العجة الحلوة والمالحة والأجبان بجميع أنواعها وفي العطور والزينة والبستنة بنباتاتها العطرية
ومن خلال فضاءات الضيافة المزدانة بأروع تشكيلات الفسيفساء بالجص والخشب والزليج، لقد صبغت بهجة الحياة أغلب عادات الأفراح التي توارثتها العائلات الأندلسية والمحلية على حد السواء، وبقيت منصهرة في تراثنا. سننطلق في عرضنا لطقوس الاحتفال التي أورثها لنا الموريسكيون إلى مزاجهم الذي لمح له دفلو. إنهم يقول إنهم أنيقوا اللباس، محبون للألوان الجذابة والغريبة، فخورون بأنفسهم، إنهم يحبون الشيء العجيب ويتحمسون للرقص والموسيقى والشعر. دفلو لا ريجونس دو تونس. سأنطلق من حيث انتهى زميلي كمون. أعتقد أنه لابد من إعادة التأمل في موروثنا الموسيقي المألوف، repenser le malouf. من حيث تعودنا أن المالوف هو يعني مغنية النخبة، كوربوس متاع النخبة، والحال أنه فن مشاعي، نظرا لأن الهجرات الثانية للموريسكيين ليست من ضمن العلماء كما في العهد الحفصي، ولكنها عامة الشعب الذين استوطنوا الأرياف ما عدا أقلية سكنوا بالمدينة العتيقة في نجلندلس والقلالين وفي بعض المناطق الحضرية حندلس في بنزرت وغيرها. ومن هنا فإن هذا الموروث يتطلب إعادة القراءة، لأنه يختزل اللهجة ويختزل تاريخ هذه المجموعات. فالموريسكي حينما يحس بالتعب ينشد ويغني ويختزل أوجاعه وأتعابه. نجد مسحة الحزن ومسحة الفرح في مضامين الأغاني الأندلسية كما نجدها في الرقص. وهذا الموروث يعني صمم للرقص، للغناء الجماعي والرقص الجماعي. كيف ذلك؟ من خلال اللهجة، الطابع المحلي للهجة له تأثيره على المالوف. مثلا حينما نستمع إلى حرمت بك نعاسي يا مولاتي الريام، تحيلنا هذه الأغاني إلى شكونك وعلاش وقتاش وفينك وريتشي. نفس المقطوعة في الجزائر، حرمت بك نعاسي يا مولاتي الريام، ولا علاقة معناتها. اللهجة المحلية لها تأثير في المالوف. هذا الموروث جعل للفرحة وللتعبير عن أوجاع الموريسكيين. الفرحة نلمسها في تركيبة النوبة، فهي جعلت للغناء الجماعي. فإذا استعملنا المؤثر الأورغانولوجي، فالعود، العود التونسي يكاد يشبه البوزق الشرقي، وأجدادنا عزفوا نوبات المالوف بالمندولينة التي اندثرت حاليا. كما أن هذا العود هو يحتكر الحركات الجماعية، وحينما أقول الحركة الجماعية أحيل إلى الرقص، لأن الموريسكيين شعب يحب الحياة ويحب البهجة، فرقصوا في كل فضاء، في الحمامات، في البقاع المفتوحة، في الأسواق. شعب يحب الرقص، شعب يحب الحياة. وحينما نحلل مقطوعات المالوف يكفي أن نتناول مجرد المعزوفات، السلسلة لا 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 لا، أليست رقصات المجموعات في بقاع المتوسط في إيطاليا، في إسبانيا، في أوروبا الجنوبية، كلها ترقص. الرقصات الفلاحية ترقص على هذه الإيقاعات للسلسلة، نجدها صلب النوبة التونسية، في بين النخبة وبين المشاع، بين الأقليات وبين المجموعة. نجد أن المالوف في الأرياف يختلف، ففي تستور يقع حمل الجهاز على العروس على إيقاعات الطبل، الطبل وإيقاعات المالوف، نوبات المالوف. في زغوان الربوخ متاع الحنة يوقع على مقطوعات المالوف، لعب الضبيو بعقلي، وكل النسوة ترقصن وتبتهجن بإيقاعات المالوف. إذن الرقص في المالوف
هو من صلب تركيبة هذا يعني هذا الموروث الذي يمكن أن نتعاطى معه برؤية حدثية. لما لا إقحام يعني الجاز مع المألوف، ويمكن هناك قطاع في المألوف يمكن أن يقع مراوحتها مع هذا النمط الموسيقي الحداثي. يعني هناك اللهجات وهناك لغة المجموعات، نجدها صلب هذا الموروث الذي تعلق به التونسيون، ولا زال خاصة أحيل إعادة النظر إلى المألوف صلب الجهات الريفية. المألوف ليس فن يعني نخبة، هو فن المجموعة، فن المشاع، وهنا تتضافر مجهودات المختص في اللغة والمختص في التاريخ والمختص في الأنثروبولوجيا لإعادة جمع هذا الموروث وإعادة قراءته. بالنسبة إلى مباهج الفرح والحياة، عرفنا أن الأندلسيين أعطوا صورة أخرى لتونس. لولا مجيء الأندلسيين فترة عثمان داي لما كانت تونس متحذرة. يكفي أن ننظر إلى الديار التونسية بالمدينة، أقلهن منزل عزيزة عثمانة بنهج المبزع، علما وأن هذا المنزل وجب أن يكون قبلة للسياح لأنها الأميرة الوحيدة التي حررت العبيد 200 سنة قبل ظهور توصيات لينكولن والنصوص الأمريكية، فهي أول امرأة حررت العبيد. ويمكن أن يكون منزلها الجميل المزدان يعني بجمالية البستنة الموريسكية والجص والنقوش يمكن أن يكون قبلة للسياح في المدينة العتيقة. في نفس المكان نجد مكان أبي الغيث القشاش، وهو النقطة التي تصل المهاجرين الموريسكيين بالمدينة بالبيات وبالسلط، وهو الذي علمهم أصول المألوف، ومنه جاءت فكرة المألوف القشاشي في تونس، مقارنة بزغوان مألوف العزوزي، وفي تبربة يجمع بين العزوزية والعيساوية، شأنه شأن الدستور. هناك إذن مألوف الأرياف ومألوف المدينة. تأثير المألوف بتأثيرات الجاليات الأقليات بتونس، الأقليات الإيطالية والمالتية التي تركت بصماتها في هذا الموروث. فأول أساتذة علموا المألوف هم الإيطاليين، لذلك نجد أن كل أجدادنا عزفوا آلة الموندولين في قطاع المألوف، نظراً لشعبية هذه الآلة ولتداولها ولحضور هذه الجالية في صلب المدينة العتيقة. نجد الأسامي الموريسكيين، ناسي دي سوردو نسبة إلى منطقة قرب خيان على ما أعتقد، وممكن هي تشير إلى الأطرش. هناك شخصيات موريسكية، زغندة هي عائلة موريسكية ونسبة إلى مدينة بالأندلس، الخميسي، الكرباكا، هناك عدة عائلات توارثت الفن الموسيقي وأورثته وأثرت هذا التراث. إلى جانب الموسيقى، فن الطهو، اللباس، تفنن الموريسكيون في صياغة رؤية جديدة للجمالية، وقد نوه بها العديد من الباحثين. كما أن في قمة الفرح نجد قمة الحزن، وقد أشار إلى ذلك غارسيا لوركا في دراسته للغناء الموريسكي. وحتى في الأرياف، حينما نستمع إلى الطواحي أو المزاوكي في المغرب أو أي صوت، فهذا يحيلنا إلى كاميرون دي الليلة. حينما نسمع أصوات الأرياف فهي أصوات موريسكية. المألوف في الأرياف لم يأخذ حظه بما فيه الكفاية، فإحداث البهجة، خاصة أن الأعمال الشاقة للفلاحة والبستنة، رغم أن الموريسكيون أدخلوا كلمة بستان وجنان وسوة
وفهي جنان على الأرض. هم أدخلوا النواعير وأدخلوا فنيات البستنة والعصافير ودفونتين. وصف جلسة الموريسكي حينما ينهي عمله ويلبس الجبة ويضع المشموم الذي يشبه قفص سيدي بوسعيد فوق أذنه ويتفنن في احتساء ما لذ من الحلويات الموريسكية. هم شعب تفننوا في كل أساليب العيش الجميل رغم مسحة الحزن. أرادوا أن يبنوا الجنان التي تركوها في الأندلس وقد لاقوا بعض العداوة من السكان المحليين، ولكن يبقى الأندلسي شامخا يتحدى كل الصعاب. ونجد هذا في مضمون الأغاني الموريسكية حينما نأخذ نوبة رأس الذيل. أه على مفاد زمن مضى يعود، هيهات يعني الذئاب تصبح أسود. وحينما يحتكم إلى قبر منسي ليروي له مواجعه فهو لم يسلم من سكان تونس رغم ما حمله من أناقة العيش وملذاتها. وفي قمة هذا الحزن ثم يصف لوعته بلوعة طفل الناقة. نميت المخاليل، طفل الناقة الذي يفقد والدته فيحدث صوتا مؤلما. هو يعني صاغ أوجاعه على هذه الصورة. أيضا في قمة الحزن نجد الفرح، خاني ما يسلم شي فيا، من قمة الحزن إلى قمة الفرح. كما أن هذا الموروث هو ضارب في القدم. ذكرت الأستاذة رجاء في زيارتها لإسبانيا أنها سمعت يعني تراثا شعبيا يشبه صليحة، ولا غرو في ذلك. فكل الأغاني التي تهتدي إلى النبع وإلى جمع المياه فيها وصف غزلي، وهي متواجدة في كل المتوسط. ولعل أغنية مشهورة تغنى باللغة الإسبانية وهي للعباس ابن الأحنف، الثلاث فتيات اللواتي أعجبنني في خيان، عائشة وفاطمة ومريم، الثلاث فتيات اللتين يجلبن التفاح والماء من خيان عائشة. هي شبيهة بعرضوني ذو صبايا واحدة في نار واحدة، نفس الصياغة نفس التشكيلة نفس الجمالية نجدها. وهي تخيس مخارياس إن موران إن خيان، تخيس مخارياس صيغة باللغة البرتغالية والإسبانية في كل البلدان التي تتكلم الإسبانية. هي أغنية عربية ضاربة في العمق وتغنى في كل بقاع المتوسط وهاجرت إلى أمريكا الجنوبية. نجدها في مسحة الفرح ومسحة الحزن، تصاحبها رقصات جميلة ورقصات حزينة في نفس الوقت. حب الحياة الذي نجده أيضا في الرقصة الشهيرة الإسبانية التي تمثل نخوة الموريسكي وتحديه لكل المتاعب، تتوج هذا الموروث. حتى لا أكون مملة ولجوجة، أعتقد أن إعادة قراءة الموروث الفني عموما والموسيقي تحديدا يستدعي مجهودات وتضافر كل الاختصاصات في هذا المجال، وربما تكون موضوعا لندوة مستقبلية. ولما لا. وشكرا على السماع. شكرا شكرا أستاذة سلوى حفيظ على هذا البحث الذي يتلمس من خلال التراث الأندلس في تونس رؤية احتفالية مليئة بمباهج الحياة، وكذلك بشيء من الأمل في أن يؤدي هذا التراث أو أن يعتنى بهذا التراث أكثر. شكرا. الآن نمر إلى مداخلتين أو مداخلة يقدمها
محاضران سي أندريا تشورنينكي غريغوراس تي تشيزار بوغدان أو سيزار بوغدان غريغوراس تشيزار بوغدان غريغوراس غريغوراس de l'Institut supérieur de musique que nous parlons donc de la musique arabo-andalouse, remarquable lien social interconfessionnel. À vous la parole. La musique arabo-andalouse, remarquable lien social interconfessionnel. L'art musical arabo-andalou représente l'œuvre d'une civilisation d'origine orientale, mais qui est née et s'est développée dans un premier temps sur le continent européen. Ses interférences avec la culture européenne depuis la Renaissance sont reconnues et intensément étudiées sur les deux rives de la Méditerranée. Le contexte historique particulier a favorisé et conduit à l'émergence en Europe d'une civilisation fondée sur des valeurs orientales, arabes et juives, mais avec de fortes influences visigothiques, chrétiennes, grégoriennes et réminiscences des anciennes cultures européennes gréco-romaines. La population dominante d'origine arabo-musulmane n'a généralement pas imposé durement sa propre religion et culture, atteignant ainsi une cohabitation pacifique et tolérante avec les autres communautés. Cette cohabitation a finalement conduit à l'édification de traditions socioculturelles communes typiques de la nouvelle société de l'Andalous, tradition dans laquelle les membres de toutes les communautés se retrouvent et s'identifient, qu'ils soient arabo-musulmans, juifs ou chrétiens. Repères historiques, origines, influences, métissage. À partir du 8e siècle, l'art musical originaire du Moyen et du Proche-Orient se déplace avec la population vers la péninsule ibérique, déjà sous domination arabe-musulmane. Étant donné que la grande partie de la population locale d'origine hispano-romaine ou visigothique n'a pas quitté le territoire occupé, la musique de ces communautés est entrée en contact direct avec la musique venue de l'Orient. N'oublions pas que les Arabes ont amené avec eux toute une armée de berbères, détenteurs de leur propre patrimoine musical, différent de celui oriental, mais aussi de celui des populations du territoire hispanique. La musique de ces berbères a eu une influence considérable sur le contexte musical de l'Andalous. Mais les plus fortes influences subies par la musique orientale étaient celles de la musique visigothique, chrétienne, grégorienne, ainsi que celles de la musique des juifs espagnols. Une autre source majeure d'influence musicale était apportée par la migration de la communauté juive de Babylone vers l'Andalous au Xe siècle. C'était une communauté d'élite composée de scientifiques, de médecins, d'érudits, de philosophes qui ont rapidement intégré les structures de gouvernement et les hiérarchies de l'organisation étatique des différentes villes. Au fil du temps, dans la musique arabe de l'Andalous, survient une dilution de liens musicaux avec l'Orient originel. L'influence de l'art musical grégorien conduit progressivement à la disparition des micro-intervalles, arrivant ainsi à des échelles musicales complètement diatoniques, similaires au mode grégorien. La structure des poèmes change également, de même que la façon dont les syllabes sont réparties sur la musique. Bien que la musique originaire de l'Orient était généralement giusto-syllabique, elle devient extrêmement mélismatique en El Andalus sous l'influence de la musique visigothique. Un nouveau style musical se définit de plus en plus comme une création originale dans laquelle se retrouvent des influences de différentes cultures qui se côtoient sur le territoire dominé par les Arabes musulmans. La nouvelle musique reflétait exactement l'image de la nouvelle société multiethnique et multiculturelle. La musique
tout comme la société était multilingue. Les chansons étaient chantées dans toutes les langues circulant à l'époque, arabe dialectal, romain ou encore latin vulgaire ou judéo-espagnol. Les musiciens étaient membres de diverses confessions religieuses et chantaient souvent ensemble, participant et accompagnant de célébrations et des événements qui se déroulaient dans les différentes communautés. Les communautés étant ouvertes et perméables, les musiciens étaient permanentement en mouvement et en interaction, s'adaptant et adaptant leur répertoire en fonction des besoins du moment ou de l'événement auquel ils participaient. Ces communautés ouvertes interagissent librement et une musique qui avait auparavant des caractéristiques propres à une seule communauté devient une musique spécifique à toute une société multicommunautaire. Ibn Baja de Saragosse sera considéré le musicien de référence du territoire El Andalus. Scientifique, d'une vaste culture, esthète et philosophe, Ibn Baja de Saragosse se raconte que l'art musical arabe puisse tirer des bénéfices extrêmement importants à travers les greffes des éléments d'autres cultures musicales, notamment de la musique grégorienne. Ce brassage conscient de plusieurs cultures musicales a conduit à l'émergence d'une nouvelle forme musicale dérivée de celle existante, mais avec une structure beaucoup plus complexe. La nouvelle création qui s'appelle Nouba est en fait une suite composée de plusieurs pièces dont le nombre n'a cessé de croître. La suite de type Nouba est la forme musicale originale la plus importante créée sur le territoire de l'Andalous. On peut déjà parler d'une musique arabo-andalouse, proprement dite, un nouveau genre musical qui trouve décidément ses origines dans la musique orientale, mais qui évolue et se développe suivant ses propres lois, subit d'innombrables influences pour finalement se définir dans la forme d'un répertoire musical à part entier bien particulier. Le mélange de différentes cultures et sociétés de l'Andalous se remarque non seulement au niveau musical, mais aussi linguistique. Durant la même suite Nouba, il était d'usage que chaque morceau soit chanté dans une langue ou un dialecte différent. Plus encore, dans le cadre de la même pièce, on pouvait chanter en arabe parlé, latin, romain, araméen ou hébreu. Mais l'acculturation et le brassage se réalisaient essentiellement au niveau musical, explique l'historien tunisien El Tifeshi. Ibn Baja de Saragosse, transposant le répertoire musical chanté venu d'Orient sur une architecture musicale visigothique. Les structures musicales visigothiques se révèlent empruntées à la musique grégorienne. Cette théorie se confirme par l'étude des échelles musicales diatoniques dépourvues de micro-intervalles encore présentes dans la musique arabo-andalouse au Maroc et en Algérie. Sur les 11 noubas du répertoire existant au Maroc, aucune n'est basée sur des modes contenant des micro-intervalles. Tous les modes de suite nouba du Maroc sont diatoniques. Ce fait est confirmé à l'occasion du congrès de la musique arabe de Fès en 1969. Les échelles des modes constitutifs du corpus marocain de suite Nouba ont été établies à cette occasion dans lesquelles les micro-intervalles sont absents. D'ailleurs, les structures musicales modales que l'on retrouve dans certaines régions algériennes ne sont pas organisées selon les principes de la musique originaire d'Orient. L'écoute de ce répertoire induisant une forte sensation de diatonisme. Selon le musicologue Salvador Daniel, qui a vécu en Algérie au 19e siècle, il existe une ressemblance frappante entre le chant grégorien et la musique d'origine arabo-andalouse. Il affirme dans son étude la musique arabe ses rapports avec la musique grecque et le chant grégorien qu'il n'a jamais remarqué l'existence de micro-intervalles dans la musique savante algérienne.
Salvador Daniel note également les similitudes extrêmement évidentes entre les échelles des modes arabo-andalous et celles que l'on retrouve dans la musique grégorienne. Telle était la situation à la fin du XIXe siècle, début du XXe, selon les chercheurs Delphin, Guan, Salvador Daniel ou Rouanet. Au cours du XXe siècle, les choses ont changé et l'influence de la musique venue directement d'Orient, notamment à travers les médias, a profondément modifié la structure modale du répertoire algérien, aujourd'hui extrêmement abondant en micro-intervalles. La situation en Tunisie était assez différente, principalement en raison de sa position géographique, fortement exposée aux influences de toutes sortes, ottomanes, orientales, juives. Le répertoire arabo-andalou tunisien a connu des changements dans sa structure modale depuis les siècles précédents. Ainsi, les micro-intervalles ont pénétré dans la musique andalouse tunisienne depuis très longtemps. Les premières transcriptions réalisées au début du XXe siècle attestant déjà l'existence incontestable de ces éléments issus de la musique du Moyen-Orient. Cependant, à cette époque, il existait encore en Tunisie des suites nouba basées sur des échelles modales diatoniques. Comme dans le cas de l'Algérie, au cours du XXe siècle, la musique importée d'Orient par les canaux médiatiques a fortement influencé le répertoire arabo-andalou tunisien. Dans leur nouvelle implantation en Afrique, les communautés exilées de l'Andalous sont entrées en contact avec les populations locales, composées de berbères, bédouins et arabes, auxquelles s'ajoutent les communautés de juifs émigrés bien avant depuis la Palestine, par le sud de la Méditerranée. La musique apportée de l'Andalous commence à subir les influences de diverses cultures, s'adaptant progressivement aux nouvelles exigences imposées par les conditions de cette société différente. La cohabitation des différentes communautés en Afrique du Nord s'est déroulée généralement dans des conditions favorables de tolérance et d'interaction. Cette réalité est prouvée par le fait qu'il n'y a pas eu de migration massive de population ou d'exilés durant plusieurs siècles. Au XVIe siècle, l'Empire ottoman étend sa domination sur le territoire de l'Afrique du Nord, englobant l'Algérie, la Tunisie et la Tripolitaine, la partie du nord-ouest de la Libye. La musique turque, et plus particulièrement la musique militaire, laissera sa marque dans le paysage musical nord-africain, les influences turques se faisant sentir dans la musique pratiquée jusqu'au XXe siècle. D'un autre côté, on remarque au cours du XXe siècle une tendance de rapprochement de la musique du Moyen-Orient à travers la réintroduction des micro-intervalles, de nouveaux modes et échelles mélodiques. C'est un retour aux origines, aux sources primaires de cette musique, mais aussi une tendance dictée par des raisons sociopolitiques. Dans la seconde moitié du XXe siècle, l'influence de la musique classique occidentale se fait sentir par l'introduction de l'harmonie classique tonale et des techniques de composition et d'instrumentation propres à l'école européenne de composition. Parallèlement, le jazz est de plus en plus adopté et pratiqué par les musiciens maghrébins en raison des libertés qu'il offre dans le domaine de l'improvisation. Un nouveau genre prend forme, le jazz oriental, né du métissage des deux univers musicaux. Toutes ces transformations, influences et métissages, ainsi que le parcours historico-géographique emprunté par la musique arabo-andalouse, se retrouvent illustrés sur le schéma que vous avez visionné. Témoignage de liens interconfessionnels occasionnés par la musique arabo-andalouse. Dans toutes les époques et dans toutes les régions géographiques, ce n'était pas seulement le désir de chanter et jouer qui réunissait les membres d'un groupe de musique, mais le désir de se rencontrer, discuter, se rassembler. Le musicien et musicologue Constantino Ataufik Bestanji confesse à cet égard, je cite, « J'ai aussi fréquenté le dernier fondok. On y allait surtout pour jouer et apprendre la musique. Il y avait des musiciens juifs et musulmans. C'était la musique malouf, la même qu'on jouait dans les sanctuaires, mais avec, cette fois, des textes profanes. » La ville de Constantine est une ville très symbolique du point de vue des communautés. Elle abritait par exemple une des communautés juives les plus importantes du Maghreb. Elle était proche de la communauté musulmane grâce à la musique. La musique engage à avoir des liens d'amitié. Nous partagions même certaines traditions, sauf celles qui avaient un lien avec la religion. Et encore, même à ce niveau-là,
je trouve qu'il y a beaucoup de similitudes. Le lien s'est fait grâce à la musique. La musique, parfois, n'a pas besoin de mots. Elle a besoin tout simplement d'être partagée. Les mots blessent. On dit « on appartient », »,« on n'appartient pas ». Mais le discours de la musique ne blesse pas. Au contraire, il permet de mettre en pansement pour guérir les blessures. Fin de citation. En El Andalus, parmi les rares sources documentaires sur la pratique musicale, l'historien Ibn Hayyan al-Qurtubi révèle l'importance de la musique et le contexte social de la pratique musicale comme jonction ou interface entre les différentes communautés, écrivant dans l'une de ses œuvres, je cite, « Dès le début, l'un des collègues de Ziryeb à la cour d'Abn al-Rahman II était l'excellent musicien Mansour al-Yahoudi, c'est-à-dire Mansour le Juif. » Fin de citation. Une autre source de commentaires est la miniature suivante de la collection de chansons Cantigas de Santa Maria, actuellement sur l'écran. L'image qui représente deux musiciens chantant ensemble, l'un musulman et l'autre chrétien, est extrêmement suggestive. En suivant l'émigration de différentes vagues de réfugiés venant d'Al-Andalus, nous passons sur la côte nord du continent africain, où nous trouverons différentes sources datant d'une période beaucoup plus récente, à savoir le 19e et le 20e siècle. Le célèbre peintre français Eugène Delacroix nous a laissé une superbe description picturale d'un moment très important dans l'existence d'une communauté, à savoir un mariage. Dans ce tableau, la musique est l'un des personnages principaux, le groupe instrumental étant placé au centre de l'image. Nous pouvons remarquer l'instrumentaire du groupe classique de Malouf, lout, rebab et tar. L'œuvre s'intitule « La noce juive au Maroc » et, à l'observation attentive du tableau, on constate la présence décontractée, fêtarde, voire amicale des membres des communautés juives et musulmanes. L'écrivaine et universitaire tunisienne Faïza Benzina décrit ainsi la peinture de Delacroix. Je cite « Que montre le tableau ? Dans un espace assez traditionnel de l'habitat oriental se déroule une scène où la fête est à l'honneur, signalée par la danseuse et les musiciens qui nous font face. À droite, on peut voir des hommes aux différentes postures. Ils portent pour la plupart, qu'ils soient morts ou juifs, une djellaba claire à capuche ou des haïks. Tous ensemble participent de la même fête et partagent les mêmes plaisirs dans une même connivence dont le tableau est révélateur. » Fin de citation. Le musicien et musicologue français d'origine espagnole Francisco Salvador Daniel s'installe pour une période en Algérie au cours du 19e siècle. Lors de ses voyages en Afrique du Nord, il transcrit et analyse beaucoup de pièces de musique arabo-andalouse et rédige des ouvrages musicologiques ayant comme sujet ce genre musical, notamment la musique arabe, ses rapports avec la musique grecque et le chant grégorien. Gaëtan Delfin et Louis Guyan, deux linguistes français arabophones installés en Algérie en 19e siècle, rédigent ensemble l'ouvrage « Notes sur la poésie et la musique arabe dans le Maghreb algérien ». Jules Rouanet était un ethnomusicologue français ayant travaillé en Algérie à la fin du 19e siècle, début du 20e. Il a étudié, analysé et contribué à faire connaître la musique arabo-andalouse algérienne. Aidé par le musicien algérien d'origine juive Edmond Nathan Yafil, Rouanet publie sa collection de transcriptions groupée dans l'ouvrage « Répertoire de musique arabe et mort », collection de mélodies, ouvertures, noubets, chansons, préludes, etc. En Tunisie, les liens qui ont existé entre musiciens et musicologues issus de différentes communautés religieuses sont innombrables. Cependant, nous nous limiterons à la présentation des personnalités artistiques les plus connues et aux liens interconfessionnels qu'elles ont eus dans le cadre de leurs activités musicales et de leur parcours artistique. Le baron Rodolphe d'Erlanger, musicien et musicologue français installé en Tunisie, rédige et publie plusieurs articles et livres sur les musiques de Tunisie. Mais Rodolphe d'Erlanger est surtout l'auteur d'une œuvre monumentale en 6 volumes, intitulée « La musique arabe », qu'il a réalisée en collaboration avec les musiciens tunisiens Manou Bisnoussi et Ahmed El-Wefi. Khmeïs Tarnen, musicien tunisien issu d'une famille d'origine andalouse, est un des fondateurs de l'orchestre de la Rachidia. Il est d'ailleurs surnommé le père de la Rachidia.
Son orchestre est initialement composé de musiciens juifs tunisiens et plus tard des musiciens juifs originaires de Tripoli, réfugiés en Tunisie à cause des autorités italiennes. Une de ses plus illustres élèves était la chanteuse juive Habiba Msika. Khmeïs Tarnen connaît et côtoie également le baron Rodolphe Derlanger. Salah El Mehdi, musicien tunisien d'origine andalouse, entre à son tour en contact avec le baron Derlanger et devient un habituel de son palais de Sidi Bouzaïd. Dès son plus jeune âge, il étudie la musique classique occidentale avec un professeur italien et grandit dans une maison souvent fréquentée par des musiciens tunisiens et étrangers. Mounich Belli, musicien et compositeur d'origine juive, père du fameux Meymoun El Tounsi, de son vrai nom Maurice Meymoun, est le professeur et mentor de Hedi Jouini. El Kahlaoui Tounsi, musicien tunisien d'origine juive, collabore avec Mohamed Jamoussi et Sheikh Mohamed Lasram. Shalom Adaoui, musicien juif tunisien qui est l'un des plus connus violonistes dans le premier orchestre de la Rachidia. Isaac Kakino de Paz, musicien virtuose tunisien de confession juive qui fait partie également de l'orchestre de la Rachidia. Il devient ultérieurement le chef de l'orchestre de la radio de Tunis. Hanna Rached, chanteuse issue d'une famille de musiciens juifs tunisois, collabore avec Ahmed Heredin, qui devient d'ailleurs son mentor. Elle chante aux côtés d'Ali Riahi et travaille également avec Mohamed Triki, qu'elle appelle son père spirituel. Et finalement, Louisa Tounsia, de son vrai nom Louisa Sadoun, chanteuse tunisoise d'origine juive, travaille et collabore à son tour avec Hedi Jouini. Épilogue. La musique créée, née, formée et évoluée dans un cadre commun d'une société composée de plusieurs communautés, reste toujours un patrimoine humain collectif, partagé par les représentants de ces communautés, car elle contient et assimile des caractéristiques, des idéaux, des espoirs, des douleurs, des moments de joie ou de tristesse vécus ensemble par les membres de ces communautés ouvertes et interconnectées. Ce patrimoine humain commun devient ainsi un lien extrêmement fort car il renvoie au côté psychique, à la sensibilité humaine, à la mémoire personnelle, mais aussi à la mémoire collective. La musique accompagne l'homme et implicitement la société humaine tout au long de son existence, de la naissance à la mort, agrémentant les moments communs de la vie quotidienne, mais aussi les plus importants, tels que les célébrations religieuses ou laïques, pèlerinages ou encore cérémonies funéraires. Avec la migration vers l'Afrique du Nord, la musique arabo-andalouse est amenée par les musiciens eux-mêmes, qui vont continuer à la pratiquer dans ce nouveau monde avec le même esprit d'entente et harmonie. À travers leur musique, mais pas uniquement, les Andalous ont reconstruit une société solide, unitaire dans sa diversité, basée sur des valeurs communes, partagées indifféremment de l'appartenance religieuse. Dans les pays du Maghreb, la musique arabe-andalouse va continuer à subir des influences variées, à se remodeler et à évoluer. Mais, comme autrefois en El Andalus, la pratique de ce genre musical va représenter jusqu'au XXe siècle l'empreinte d'un puissant lien sociétal et en même temps une occasion de rencontre et d'épanouissement pour des musiciens de différentes religions. Nous vous remercions pour votre attention. Merci, merci. Vous restez dans le temps. Merci, merci, Madame Andrea Chornianki et César Bogdan Grigoras pour cette vaste fresque où il y a tant de thèmes à la fois historiques et actuels en rapport avec la musique arabo-andalouse en tant que creuset d'influence interconfessionnelle. Merci. Alors maintenant, on passe, si vous voulez bien, à la mort, Saïd Saïd, il a... إلى النقاشات والأسئلة تفضلوا أيوة محمد علي سي هشام تفضل شكرا لكافة المتداخلين في الواقع عندي بعض الملاحظات فيما يخص مداخلة الأستاذة سلوى بن حفيظ
وكذلك فيما يخص محمد علي كمود. باش نبدا بسلوى حفيظ. هناك تساؤل مدام سلوى، ما راش تسمع فيا ولا لا؟ ذكرت بان ابو الغيث القشاش علم اصول المالوف، علم الموريسكيين اصول المالوف، اذا كان سمعت بالصحيح، ابو الغيث القشاش علم الموريسكيين اصول المالوف. لا اعتقد ذلك، نظرا الى ان ابو الغيث القشاش يعني عندما نعود الى مناقبه التي حبرها ابن ابي لحية، نعرف ان والد القشاش اللي هو الشيخ محمد القشاش كان امام خطيب في جامعه باب البحر، وكان متصوف، له اهتمام كبير بالصوفيه والمتصوفه، ومن بين ذلك انه كان يعتقد في الشيخ معاويه الشارف، وكان يزوره في بلاد الدخله. ومن بين الحاجات الاخرين ان الشيخ الشارف قد بشره بمولود سيحمل ذكره، وولد هذا المولود وسماه ابو الغيث، يعني الشيخ محمد سماه ابو الغيث القشاش، واوكله الى سيدي جديدي اللي عنده زاويه بعد الحمامات. تعلم ابو الغيث القشاش بزاوية الجديدي وحفظ القرآن ومبادئ التصوف، ولا أعلم من أين له بالمالوف وأصول المالوف، لست أدري. أبو الغيث القشاش لم يكن يحذق المالوف، وإنما الموريسكيون عندما قدموا من الأندلس استضافهم أو فتح لهم رحاب زاويته، وكانوا يمارسون فيها أناشيدهم وأسجالهم وموشحاتهم. يعني العكس هو صحيح، ربما الموريسكيون هم الذين نشروا المالوف في زاوية القشاش عند مريديه وجميع زوار الزاوية. ملاحظة أخرى أيضا فيما يخص، قلت على ما فات نوب من نوبة رصد الذيل، هي ليست من نوبة رصد الذيل، وإنما هي زجل من الأسجال التونسية التي وضعت في طباعة رصد الذيل على قياس أسجال النوبة. كن نشوفوا نوبة رصد الذيل ما نلقاوش فيها أعلم أهل مفات، هي خارج إطار النوبة، يعني لأن في مقام رصد شغل في مقام رصد الذيل شغل صحيت، لأن الملوف ينقسم إلى نوبات، وهناك أيضا مجموعة من القطاع التي لا تدخل في إطار النوبة، وإنما هي صيغة على قياس القطاع الموجودة في النوبات. بالنسبة لسي محمد علي، يعني تابعت مداخلة مهمة، ولكن تحدثت فيها عن المالوف وغناء المالوف. في واقع الأمر المالوف لا يمكن أن ننظر فيه أو نبحث فيه على أساس أنه عبارة عن درجات موسيقية محددة في موضع محدد، وإنما يجب أن نتناوله على أساس أنه ممارسة ذات سياقات نغمية متعاقبة متداخلة ومتغيرة في نفس الآن. نقول مثلا درجة هذه في المكان الفلاني، ندخل في نظام موسيقي يختلف اختلاف كبير عن المالوف. مثلا ذكرت الدرجة الثانية في طباع الحسين، قلت أنها مرتفعة بعض الشيء مقارنة بمقام البيات المشرقي، هذا صحيح، ولكن ليس دائما باعتبار أن درجة المي في الحسين تتغير حسب السياق النغمي، حسب السياق اللحني، ساعات نلقاوها مرتفعة وساعات نلقاوها منخفضة أنت والسياق بتاع القطعة. وهذا دليل على أن هذه الموسيقى لا يمكن أن نطرقها من وجهة نظر السلالم المعتمدة في الموسيقى الغربية التي لا صبغة معدلة. كيف هذا لا نجده في الحسين فقط، وإنما نجده أيضا
في طباع الصبهان نجدوا في طباع العراق بالخصوص المية والذيب بالضبط أكيد يعني ومن دلائل ذلك أن الطبوع التونسية ليست لها درجة ارتكاز واحدة أغلبها معظمها نجد فيها أكثر من درجة ارتكاز مثلا الحسين يرتكز على الدوكة على درجة الري الناس كل نعرفوا هذايا ولكنه في بعض الأحيان يرتكز على الفاء على الدرجة الثالثة خاصة في الحسين صباء نفس الشيء بالنسبة لطباع العراقي نجم يرتكز على الدوكة كما نجم يرتكز على الياكان ودرجته الثانية إذا كان ارتكز على الدوكة درجته الثانية تكون مرتفعة ارتفاعا إلى درجة يمكن أن نماثلها بالميل بكار متاع الموسيقى الغربية ولهذا معناها ربما تحتاج هذه المقاربة إلى مزيد من التدقيق مع الشكر والاحترام شكرا هل هناك مداخلة أخرى؟ والله عندي أنا شخصيا يعني ملاحظة بسيطة مساهم في النقاش أنت محق فيما أشرت إليه بخصوص يعني اختلاف أو تنوع يعني الأداء في علاقته مع الدرجات سواء كانت درجة ارتكاز أو غيرها وتحولها نعرف مثل المي هذه هل هي يعني فيها إلا 20 وإلا 40 كما ضبط ذلك صالح المهدي مع المعهد الأمريكي هل تتذكر؟ طيب ولكن أنا مع محمد علي كمون في ملاحظة هو أن فعلا بصرف النظر على هذه الدقائق التقنية وأن الملف التونسي في أدائه في الواقع سلط عليه من الأذى ومن التعسف ما جعله يتحول تماما عما كان عليه ولنتذكر ما فعله البارون دي رونجي وقام بهم محاولات للمحافظة على التخت الأصلي يعني نغرات عود رباب ورق وكيف أن الرشيدية التي المفروض أن أتت للنهوض بالملف التونسي أساءت إليه أيما إساءة أولا في مستوى جمعه علميا من جمعه الله يرحمه سي صالح كان ملحن هاي اليسر ستيان جرون ميلوديست ما نتكلمش عن الحكاية دي لا من حكاية لديمارش يعني الطريقة كيف جمع الملوف أتوا بشيوخ من مدن مختلفة من تستور من زغوان وجمعوهم حول مائدة وقيل لهم يا شيخ قول ويا شيخ قول ويا شيخ قول ثم قالوا لابد أن يعني نتفق على أمر لكي نعمل الوحدات اللي طبعهم فهمتني فلم يكن لأحد منهم الحق أن يغير الفيرسيون فهمتني من هذه البلاد هذه النكبة الأولى التي أثرت ما أرادوا أن يفعلوا سيتي اون فولغات دو مالوف Vous savez, la Vulgate, c'est un peu une sorte de compilation de textes sacrés de Saint-Luc, Marc, etc. Bon, mais ma fa'alou, c'est une Vulgate للملوف. هذا من ناحية من ناحية الجمع. أما من ناحية الأداء فحدث ولا حرج. في الحفلة الأولى للرشيدية سنة 36 كان فيه ان ترومبون كوليس والهارمونيوم تاعهم والهارمونيوم وكذا الاسرم كان يعني موقعه او موقفه افضل لان الاسرم هو اقرب للتقاليد نتاع احمد الوافي لهيك ان بالنسبه للنوبه عنده الاستفتاح هو ليس معزوفا وانما يغنى لان استفتاح ديني ذو طابع ديني وهذا نجده عند الجزائريين حسن اللبدو وحسن الختام إلى غير ذلك إنما
التحول كان على يد مدرسة البوليتكنيك عندما عملوا غاية السرور والمناء وكذا. أولا نزلوا الكلام نزلوا يعني عملوا النوتة بدون الكلام لم ينزلوش الكلام من الناحية الأولى. الناحية الثانية هو أنهم جعلوا من الاستفتاح مقدمة معزوفة يعني. وعندما قال لهم محمد النصر في بداية الرشيدية يا أولادي مش هكا فهمتني طردوه فهمتني وأعتذر على الإطارة. نحب نعقب على ملاحظتك. نعم. نو سي فوز الي انترفينير دون لو سوجي مرحبا. دونك لا فما قبل باش نعقب على الملاحظة التقنية. الحقيقة هو جدل كبير ياسر معناتها نجمو ناخذوا برشا وقت نحكيو فيه. أنا معناتها ونفس نفس الإشكالية نخوض فيها مع أصدقائي الموسيقيين كل معنا نبيل عبد المولى وديما نقول لي لا درجة وأنا الحقيقة ممكن نتفق مع أنس غراب في الموضوع هذا. نظن أنه كونيتيفمون معناتها فما عندنا ديما درجة في مخنا نمشيو لها. كان تتبدل الدرجة هذيك كونيتيفمون متبدلة. يعني فما درجة ثابتة كونيتيفمون لكن هي في الإكزيكيسيون حتى دو ماجور عمرها ما تخرج قد قد بنفس الطريقة مو فهمت. دونك الدرجة الثانية نتاع الحسين هي درجة بالنسبة لي درجة ثابتة سولون سياق. السياق يتبدل الدرجة تتبدل. وذاك اللي ريشيرش هما عملوهم الفرس وعملوهم الأتراك وقدموا فيهم شوط كبير ياسر. القانون ان نجم نقول لك نفس الملاحظه نتاعك تطبق على المقام البيتي. خاطر المقام البيتي في معناتها سامي الشوا كان يعزف فيه ماهوش كيما يعزف فيه يعزفوا فيه تو معناتها والدرجات المقاميه كلها نجم نقول لك درجات متحوله تعزف اي عازف كي حتى اورجانولوجيكمون حتى بالفيزيونومي نتاع هبطه اليد تنجم تطيح الدرجه سي توتا في نورمال اي الموسيقى ما قالك. ولكن كي يعزف القانون الشرقي اللي هو آلة ثابتة يعزف المقام البياتي ما فماش ما نحسوش التشويه هذاك على خاطر جينيرالمون من أول القرن العشرين موجود الآلة هذه تتعدل على زوز دواوين عنده تطريز ثاني في الديوان الثاني ولكن هي درجة ثابتة تعطيك المقام بالضبط. هنا القانون التركي كي عملوا برشا دي ريشيرش وين لقوا درجة جديدة يحطوها نفس الخدمة خدمة على السنتور. وانا حضرت في كونفرنس جان ديورينغ مع حاجة بالحق وقفت لي مخي معناتها واحد عمل ريشيرش كبيرة في أذربيجان على ما أظن قبل ما تجيهم الاتحاد السوفيتي قبل ما تتحل الاتحاد السوفيتي وكان كل ما يمشي يلقى درجة في الكوليكت اللي عملها يحط لها فريت وصل تقسيم الأكتاف متاعه على 36 فريت يظهر لي كل درجة يحط لها فريت. مرة ماشي في جبل سمع امرأة فهمتني تغني بدوية في جبل سمع عنده درجة ما عندوش عمل لك حتى زاد الفريت نتاعها ومن بعد عمل دي زيتود على الفريت الكل هذوكم ومن بعد الى ميتريزي معناتها تو لي فريت ويعزف فيهم كم درجات ثابته. دونك مش نختصر باش نقول معناتها بوليميك كبيره برشا لكن الدرجات ثابته ليكزيكيوسيون نتاعها ديما ريلاتيف هذا هو كونيتيفمون ثابت. شكرا شكرا شكرا. الور مادامني على الناس حبيت نسوق زميلي كمون انه قلت ناي لم تكن معروفه في تونس الا مع مجيء علي الدرويش مع قدوم كانوا يعرفوا كان كسبه والفحل توينس ما يعرفوش ناي الشرقي الا مع مجيء علي الدرويش ما كانش في المالوف اي كان في الربوخ في الربوخ قانون لا اما الناي الشرقي معرفوه كان مع علي درويش الحلبي اللي استقدموا البارون دي رانجي كاراتيه حفظ خميسترين حفظ مصالح المال جو بودري دير اون بتيت اوبزرفاسيون ا بروبو دو لانترفونسيون دي بوغدان نيس با مي جو كرو كو لو دياكتونيسم اكزيستي دون لا ميوزيك عرب au tout début, c'était diatonique et il n'y avait pas les micros. Il y avait les micros intervalles. Oui, il n'y avait pas de micros intervalles dans les premières échelles des Arabes quand ils étaient là dans le désert. C'est-à-dire que les micros intervalles, l'arba, etc., c'est des apports soit iraniens, soit byzantins. C'est les Byzantins, en fait, qui, si on écoute un chant byzantin maintenant,
C'est comme si on écoutait de la sika, etc. Donc, dire que l'échelle diatonique ou l'absence de micro-intervalle serait un apport goth ou visigoth, ça, il faudrait peut-être y voir de près et réviser un peu l'attitude. Je crois, n'est-ce pas? Bon, d'après le... Comme le pentatonisme, d'ailleurs, qui existait. Oui, nous, on n'a analysé pas ce qui était avant la conquête de l'Andalous, mais ce avec le bagage et le patrimoine avec lequel ils sont arrivés en Andalous. Et il s'est arrivé effectivement qu'ils sont arrivés avec ce patrimoine. Ils sont arrivés avec la madrasa al-Oudia et la madrasa al-Tambouria. La madrasa al-Oudia, il y avait deux grandes écoles au début, la madrasa al-Oudia et la Tambouria. Al-Oudia était diatonique, alors que la Tambouria était plus souple, donc, recevait les influences qui étaient autour, qui étaient soit byzantines, soit iraniennes. Voilà, ils sont arrivés avec déjà ça. Avec ces influences. Ils sont arrivés avec les influences byzantines, parce que, comme vous le savez, l'Empire byzantin n'existait pas. Voilà, donc ils sont arrivés avec les influences. Vous l'avez bien dit, en Tunisie, comme on est un carrefour, oui, on avait ça et ça. Alors que le Gharnati et la Marocaine sont diatoniques. Oui. Parce qu'il n'y a pas eu l'influence ottomane aussi. Et parce qu'il n'y avait pas l'influence ottomane. Voilà. Et parce bon, qu'ils sont pas assez tendre. Donc, Aouda l'Hichem, je ne joue pas, je joue tous. L'Hichem, je joue tous. Al-Raït al-Khashesh, Yuskoum Finassi Ditinji, Bahdaï Zankri Baili, Kulmat al-Murskin, Kenyatash, Ana Ushatiru Karraï, Laoula Ana Nikaratu, Bibliographie al-Murskin, Ahmed Hamrouni, Wakad Dakara Ana al-Raït al-Khashesh, Kenyatar Asu, Majmouat al-Malouf, Starb, Tuheda Yani al-Kabil, Walakin Tafatant Fini Hait al-Amr, Bima Ana Zawiyat al-Raït, Tajma Okul al-Murskin, Wawa Nokta al-Wasl Baina Hom, Wabaina al-Sulat. لما لا يشاطرهم نفس الغناء إلى أن تحولت إلى فكرة أنه يقود المجموعة أعتقد شكرا أنه. شكرا جزيلا للحضور الكريم شكرا للأساتذة الأجلاء الذين شاركوا في هذه الندوة وشكرا لمن قام على تنظيمها وفي النهاية أدعو لكلمة الختام السيدة رجاء ياسين بحري لتقول هذه الكلمة الختامية وشكرا شكرا جزيلا لكل المتداخلين وجميع ضيوفنا الكرام nous arrivons en fin de compte à la deuxième journée de notre colloque il ne me reste plus qu'à remercier tous les participants, tous nos invités ici présents. Remercier vivement nos invités espagnols et français qui, malgré la pandémie, ont pu passer malgré les longs voyages aujourd'hui. Je remercie également M. Samir Becha qui nous a, et toutes et les deux professeurs ici présents pour nous avoir permis d'écouter les mélodies méditerranéennes hier. Je remercie, excusez-moi, que je ne vais pas tarder de remercier tout le monde, les présidents de séance, c'est très dur. Et je remercie Ali Louetti, Madame Alia Bakar, qui avait encore, et Monsieur Bernard Vincent, évidemment, pour les présidences. Je remercie également tout le personnel de l'Académie, et permettez-moi de les citer. Pendant deux jours, de 7h du matin, ils étaient présents jusqu'à la fin des colloques, les directeurs Mouaz Hatem Azedine Houder, comité d'organisation Marouazine Zainab Houyem, les techniciens, c'est grâce à eux qu'on a pu avoir des vidéoconférences, mais d'un excellent niveau, donc Nizar Khmaïsej Salma Edora pour la photo, les personnes qui sont chargées pour le déplacement de nos invités, Fathi Ahmed et Saif, et tous les ouvriers de l'Académie, Enis Béchir, Semia Maroua et Ilyes. Je ne peux pas me permettre de clôturer le colloque sans remercier le président de l'Académie, M. Mahmoud Boramdan. C'est grâce à lui que le colloque a pu avoir lieu. Je remercie tout mon département, le département des lettres,
tous les participants du département des lettres, les directeurs et tous les conférenciers. Et je réitère les remerciements au professeur Samir Becha, qui était un membre organisateur très actif, la Bibliothèque nationale également. Je vous rappelle que pour les communications, nous vous permettons de nous envoyer le plus tôt possible et d'ici la fin du mois de décembre pour que les actes puissent voir le jour le plus tôt possible. Je remercie, excusez-moi, j'ai oublié les autorités espagnoles qui ont pris part à l'organisation de ce colloque, l'excellence monsieur l'ambassadeur, madame le consul et directrice des affaires culturelles et la directrice de l'Institut Cervantes. J'espère n'avoir oublié personne. Je vous remercie encore une fois. Et le public, et comment, excusez-moi, bien entendu, nos invités, on va les... nos invités qui ont animé les séances, bien entendu, excusez-moi. Mais je l'ai dit en arabe, madame. Je l'ai dit en premier. Hein, j'ai les conférenciers et les invités. C'est la première chose que j'ai dite. Il y a Salwa Faïd qui va juste pendant 5 minutes nous jouer un peu de luth. Voilà, 5 minutes et nous clôturons le colloque.